le mois d'octobre, nous te dis, c'est qui moi lié? C'est moi, hein? Mois dernier, c'était mois de l'audace surnaturelle. Moi, ça nous te dit, serait le mois de la prospérité surnaturelle. On nous dit prospérité. Prospérité. Dis ça fort, dis prospérité. Prospérité. Dis ça encore, dis prospérité. Prospérité. Donc, rapidement, jeudi, Amdaram a fait introduction à message ça, série de messages ça, série d'enseignements ça sur la prospérité. Pour qui ça, la prospérité est important dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Donc, nous pas prêter, n'a pesé gaz rapidement, n'a pas entré rapidement dans ce message là. Ou capable d'écrire ça dans trois, dans notre bon, trois raisons pour lesquelles bon Dieu voulait prospérer. Trois raisons qui fait bon Dieu voulait prospérer. Numéro un. Dieu veut vous prospérer parce que c'était son intention originelle. Nous avons même reconnu que bon Dieu voulait prospérer parce que le bon Dieu t'a créé l'homme, intention lit depuis le commencement, c'est pour l'homme te prospère. Regardez comment bon Dieu créé l'homme. La Bible dit comme ça que bon Dieu créé toute bagaille en 5 jours et puis le 6e jour, il créé l'homme. Remarquez que bon Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour. Et puis qu'on y a le 2e jour pour la créer de l'eau. 3e jour pour la créer soleil. 4e jour pour la créer manger. Si bon Dieu t'a créé l'homme le premier jour, après ça pour la créer toute bagaille, l'homme t'a fini créer et puis il frette. Pas un soleil qui pour réchauffer. Ça veut dire il frette. L'homme t'a fini créer et puis qu'on y a la machine dans tout jardin pendant toute journée. Mais qu'on a le souhait, il n'y a pas de côté pour le bain, parce que de l'eau pour créer. Bon Dieu n'a pas fini de créer, l'homme l'est fini, et puis qu'on a pour l'homme à marcher 3 jours, et puis pour la grand goût, pour Adam, a fait 3 jours jeune par force. Donc, qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu a créé toute bagaille avant. Et puis, les Adam entré, il joint toute bagaille pareil pour lui. De l'eau, le besoin pour le bain, pareil. Manger, le besoin pour le manger, pareil. Soleil, il a besoin pareil. Donc, bon Dieu a créé l'homme avec tout ça, le besoin. Même pour aller plus loin, parce que, ou t'es qu'à dire comme ça, si bon Dieu seulement a l'homme, ça a le besoin, c'est pas la prospérité. L'homme a créé l'homme, non seulement il a le manger, il a tout ça, le besoin, mais l'Éternel allait au-delà de la prospérité. La Bible dit, l'est Adam fait. Tes conseils de rivière, comme le Tigre, comme le Frate. Et la Bible dit que ça, c'était dans la rivière Sayo, côté qui te gagne un diamant, qui te gagne une pierre précieuse, bring it up some more. Côté qui te gagne un diamant, qui te gagne une pierre précieuse, qui te gagne l'or. Ça veut dire, le bon Dieu créé Adam, non seulement lui bal tout ça le besoin pour le vivre, mais lui ajouter à ta pierre précieuse, diamant, l'or, etc. Ça veut dire, l'un Adam fait dans la prospérité. Le bon Dieu crée l'homme, il crée l'homme dans la prospérité. Maintenant, qui l'a causé pauvreté pour l'entrée dans le monde? Après que l'homme fin péché contre Dieu, dans Genèse chapitre 3. Après le fin péché contre Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 16, verset 17, on nous garde côté pauvreté pour l'entrée pour la première fois. Gardez comment pauvreté écrit, entrer et puis gardez avec qui mot l'entrée. On nous lit ensemble. L'Éternel dit qui ça? Le sol sera maudit à cause de toi. L'Éternel décrit la prospérité dans une seule phrase. Le sol sera maudit à cause de toi. En d'autres termes, gardez là, oui. Pour la première fois, la pauvreté mal mentionnée, l'Éternel dit, c'est à la force de la peine que tu en tireras la nourriture. C'est pour la première fois, l'Éternel dit, l'homme, ou bra l'oblige à boumer, à battre la vie, à souer sous béton pour joindre un bagaille. Et puis il dit, la terre, il va produire piquant avec ronce, l'œil en tête, pas qu'à produire bon fruit, il produit piquant avec ronce, c'est une marque de sécheresse. Ça veut dire un bagage qui n'a pas produit, non productivité. Mais regarde comment bon Dieu commence avec tout bagage là. Travail dû, wap soué, rien pas qu'à marcher, tout son wap fait pas produit. Regarde comment l'Éternel relil. Tout commence avec une seule phrase. Le sol sera maudit
à cause de toi et puis l'expliquer malédiction. Et puis l'on regarde l'explication, ouais, tout ça, c'est signe pauvreté. Est-ce que l'église avait même? Ça veut dire, ou bral gade, bon Dieu crée l'homme dans la prospérité, la pauvreté doit entrer à travers une malédiction après le péché. Conséquemment, point de vue, bon Dieu, de la pauvreté, c'est que la pauvreté, c'est une malédiction. M'dédi ça. M'dédi ça par rapport à la maladie. Mais m'a dit même bagala par rapport à la pauvreté. M'te dit une fois l'homme t'a prêché sur la maladie. Chrétien besoin raï maladie, même j'en raï péché, parce que tous les deux sont du même côté. Est-ce que l'église ça va me dire là? Eh bien, m'bral dit même bagala pour la pauvreté. Chrétien doit raï la pauvreté, même j'en raï péché, parce que tous les deux sont du même côté. C'est le Satan entrer dans causea, péché entrer dans le monde, et puis pauvreté va venir entrer. Pauvreté à qui s'allier, la Bible dit son malédiction, il dit le sol sera maudit et c'est ça que va être pauvreté. Même une bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle là? Regardez Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. On nous lit ensemble. Si la pauvreté son malédiction, la parole de Dieu dit nous, Christ nous a qui ça? Ah, dis le faux nom. Christ nous a qui ça? Dis ça, Christ nous a racheté, qui ça de qui ça? De la malédiction de la loi. Si la pauvreté, c'est une malédiction liée, eh bien la Bible dit une bonne nouvelle. C'est que ce Christ nous a racheté de la malédiction. Et comment il vient faire ça? Regardez comment il fait ça. Il nous a racheté de la malédiction. Et qui ça? Et, pour nous, il a racheté de la malédiction de la loi. Étant qui ça? Devenu qui ça? Malédiction pour nous. Comment Christ retire malédiction, la loi, tout ça qui vient avec malédiction, péché, maladie, paquet de bagaille, mais pauvreté, qui inclut pauvreté à la dedans. Christ nous rachète nous en bas malédiction, pauvreté à, en devenant malédiction pour nous. Malédiction rachète nous en living ça lui-même. Maintenant, je vais prendre pause dans verset ça pour m'expliquer yon bagaille. Parce que ce n'est pas deux ni trois fois que entendez commentaire ça sur radio dans bouche monde. En pile monde qui dit comme ça que yon chrétien pas ta supposé prospère. Yon chrétien pas ta supposé gen kòb. Yon chrétien pas ta supposé gon banque à 40 qui gen économie sous lit. Yon chrétien pas ta supposé gon bon kay. On belle machine, on bon job. Yon bon costume pour le mettre sous dol. Et puis, mais qui argument yon ba? Yon dit comme ça. Parce que Jésus, lorsqu'il était dans le monde, il était pauvre. Conséquemment, si yon moun voulons bon chrétien tout, puisque Jésus était pauvre, faut ou même ou pauvre. Notre déclaration ça, li moitié vrai et moitié faux. Gon parti qui vrai. À la croix, Jésus t'a mené une vie de pauvreté vraie. Pas la quoi, non? Durant sa vie, Jésus mène une vie de pauvreté. Je suis content de gens qui te dit que pendant Jésus était sur la terre, il t'a mené une vie de riche. C'est difficile pour prouver ça à la lumière de la Bible. Sous les lire les évangiles, c'est difficile pour prouver ça. Jésus t'a mené une vie de pauvre. Nous connaissons que depuis l'elle fait, il fait non niveau bas de pauvreté avec parmi pas bête. Nous connaissons l'œil à présenter Jésus-Christ au temple. Il était présenté une offrande de pauvres. Parce que la Bible dit l'œil a présenté Jésus-Christ au temple, il était présenté deux pigeons. Maintenant, sous Algade dans la loi de Moïse, dans le livre de Lévitique, etc., on va remarquer que, en général, où tu es supposé porter un agneau devant bon Dieu, ou bien un bélier, ou bien un bœuf. Mais si tu es extraordinairement pauvre, l'Éternel te fait une exception pour ou, si ou pas de cache ton bélier, ou pas de cache ton cabrit, ou pas de cache ton agneau, l'Éternel te fait une exception pour moun qui était extraordinairement pauvre. Li te dit moun qui pauvre yo capable porter yon pigeon. Or, le Jésus t'a présenté au temple son père pigeon qui t'est présenté. Donc cela veut dire nous connaît que Jésus-Christ li pas de sorti dans famille riche, il semble que parent était assez pauvre quand même.
En ce qui a trait à qui côté Jésus t'est habité, pas gagné nulle part dans la Bible, côté l'écrit, par exemple, que Jésus t'est possédé yon caille. L'œil au témoin de Jésus qui côté habité, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel n'ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Et là, regardez, à travers le ministère de Jésus-Christ, la majorité du temps dans le ministère de Jésus-Christ, Jésus a dormi la Kamoun. Jésus fait pi fortal, a dormi en côté au terrain Capernaum. Maintenant, si vous allez chercher qui est-ce qui était Capernaum, ou après Capernaum, c'était la résidence de Pierre. Jésus était passé tout pi fortal, a dormi la Kayoun dans le disciple qui était relé Pierre, le là dans l'autre ville, quand vous bêta, ni l'icône dormi la Lazare, etc. Mais pas grand qu'un côté dans la Bible, il montrait que Jésus était conseillé de bien comme tel, etc. Donc, Gémoun, à partir de Sakounia, il arrivait à la conclusion, puisque Jésus était mené une vie de pauvreté sur la terre, pour qu'un bon chrétien, eh bien, c'est pour mener une vie de pauvreté tout, et puis c'est là qu'il fait erreur. Parce que, vous devez poser cette question, pour qui ça, il était mené vie de pauvreté. Est-ce que l'église avait même? Pour qui ça te mène? Et pas grand pile gymnastique dans la question, parce que la Bible répond ni, nous pas besoin de deviner pour qui ça te mène en vie de pauvreté. Gardez qui ça texte nous en dit nous là. Hein? Gardez dans Galates qui ça le dit. Il dit Christ nous a racheté de mal la malédiction de la loi. Comment le fait-il? Malédiction pauvreté pour le racheter nous. Comment le fait-il? C'est en devenant. C'est en devenant malédiction pour nous, en d'autres termes, pauvreté qui sous dos là, insuffisance qui sous dos là, la misère qui sous dos là, etc. Fait noir qui sous dos là, l'ivine tourne ça. Jésus pas de gonkai pour cacher ton kai. Aïe, 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 attendez, ça va me dire là. Li pas de bon caille pour cacher ton caille. Li pas de bon serving pour cacher serving dans le jour d'hier. Li font vie à débattre pour vous-même ou pas dans mes bagages. Li dit le prend pauvreté pour le racheter nous en bas pauvreté. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit hein? Ah, maintenant, ah, ou qu'a dit, ah, pasteur Greg, son accident. Bon, l'autre verset qui fait le plus clair. Regardez dans quoi, 2 Corinthiens 8, 9, on va comme ça. On regarde l'autre verset qui est plus clair toujours. Parce qu'on a dit comme ça, verset ça dit malédiction, mais elle pas dit pauvreté. Mais on garde. On nous lit le texte encore. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça, car vous connaissez, qui ça là? La grâce. On nous dit la grâce, qui ça? On nous dit la grâce. Regardez, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez qui ça? Il dit, qui s'est fait pauvre? Il n'est pas de pauvre, non? Jésus pas pauvre, non? Nous pas servons bon Dieu pauvre, non? Nous pas servons Jésus pauvre, non? Nous pas servons l'Éternel pauvre, non? Il n'est pas pauvre, non? Il s'est fait pauvre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'Église de Salam dit, il y a une différence entre être pauvre et se faire pauvre? Bon Dieu, nous n'est pas pauvre. Jésus, nous n'est pas pauvre. Cet esprit, nous n'est pas pauvre. L'homme qui crée, c'est la terre, il n'est pas pauvre. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui la boude. Il n'est pas pauvre. Il s'est fait. Il s'est fait pauvre. Pendant sous la terre, il s'est malgré lui créer le ciel avec la terre. Pendant sous la terre, il n'y a pas de grand calme, mais pas jamais lié. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Même s'il n'y a pas de grand calme, songez toute bagarre appartenir à lui-même. Est-ce que le Christ a dit, hein? Regardez qui ça texte a dit. Texte a dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre. De qui ça? De qui ça? L'elle dans le ciel, l'elle pauvre. L'elle était à la droite du père, pauvre. L'elle était descendue pauvre. Non. Son homme qui remplit avec richesse, qui remplit avec bénédiction, qui remplit avec grâce. Tout ça le besoin. Au fait, dans le ciel là, il marchait sous Street of Gold. Ça veut dire, il fait l'or, marchant par la pile. Il quitte tout bagasse. Pendant temps, il vient faire tête les pauvres. Mais il n'est pas pauvre, non? Il fait tête les pauvres. Il s'est fait pauvre. Pour qui ça? Afin que par sa pauvreté, et puis je dis, alléluia, à part sa pauvreté, et puis qui ça, moi, ma pauvre, nous soyons enrichis. Si je comprends le verset, ça, l'on chrétien décide pour vivre pauvre ou manquer Jésus dégâts. La pauvreté.
pauvreté, son manque de respect pour le sacrifice du calvaire. La pauvreté, son manque de respect pour ça, Jésus accompli à la croix. Ou voulez dire pour Jésus qui était toute richesse, toute bien, toute luxe, toute saleté gagnée à la droite du Père. Et puis il descend sous la terre, il prend vieille pauvreté, il prend vieille misère, il prend vieille fait noir. Et puis pour venir joindre Christ, après il finit libéré, et puis pour ranger corps, pour prendre misère, pour mettre sous dehors encore, pauvreté, pour mettre sous dehors encore, l'attirer à mettre sous dehors encore. L'Italie à la croix, il est mort pour finir. Aïe, 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 aïe. Regardez, le chercher ta bonne balle, tu finis à bail ça. Finis à bail, regardez, finis. Fini avec bagaille ça. Jésus mourit pour pas atteindre encore. Jésus mourit pour pas traîner encore. Jésus mourit pour pas malmener encore. Jésus mourit pour pas m'affiler encore. Jésus mourit pour pas le cagabé soigner encore. L'aller à la croix de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. A fait qu'à travers pauvreté, il pape le prend et puis le lever. Aïe aïe aïe. Pour le prendre, pour le lever et puis le bénir. Mon être fâché la pleuver. Mon être boudé la pleuver. Regarde à mes tirs et puis la pleuver. Parce qu'il était mourir à la croix pour le lever. Soudain, quand ça dit gloire. Puis fait moun pas comprendre la raison de la pauvreté de Jésus. De la même manière que dans le même chapitre ça quelque part, Paul elle dit comme ça, celui qui n'a pas connu de péché, la Bible dit même phrase là encore, il s'est fait péché. Il s'est fait pas de péché dans lui, non? Lui saint c'est l'Éternel des armées, oui, il s'est fait péché. Et puis la Bible dit pas à travers sa justice, nous soyons justifiés. Maintenant, parce que Christ te prend péché nous à la croix, côté le Père, pas de garder. Est-ce que je suis venu aujourd'hui, puisque Christ te prend péché nous à la croix, la Bible dit il s'est fait péché. Est-ce que ça veut dire chaque jour, je vais lever, je vais dormir dans l'adultère, lever dans l'habileté, lever dans le mensonge, lever dans le volant. Je connais Christ, vient tout n'est péché, il prend adultère pour ne pas vivre dans l'adultère encore, il prend volant pour ne pas vivre dans le volant encore, il prend mettre pour ne pas vivre dans le mettre encore, même j'en prends pauvreté pour ne pas vivre dans la pauvreté encore, il prend manque pour ne pas vivre dans le manque encore. Les prêts tête chargée pour ma vie, ma tête chargée. Moi, déclarer c'est pour fan prospérité, mon Dieu. Ou faire de la vie. Faut chier à bon moment. Le plan originel de Dieu, c'était de nous prospérer. Et prospérité tellement important pour l'Éternel inclure dans l'œuvre de la croix. Bon, tu m'as appuyé là, hein? Ou tu vas répéter, il est tellement important que il dit Jésus, pendant qu'on vient sous la terre, nous allons régler les problèmes péchés. Il dit, pendant qu'on vient sous la terre, nous allons régler les problèmes adultères. Pendant qu'on vient sous la terre, nous allons régler les problèmes. Mais il dit Jésus, pendant qu'on descend sous la terre, tout prend pauvreté, petit moyen pour moi. Et puis pendant qu'on a des problèmes péchés, problèmes maladies, tout est des problèmes, ça, tout. L'inclut la pauvreté dans l'œuvre de la croix pour le craser d'eau à travers la croix. Un gros bagage, tu fais là. Il est tellement important pour bon Dieu inclut à travers la croix. Donc, yon chrétien li doué, bon Dieu voulait prospérer nous parce que c'est plein originel. Deuxième raison qui fait bon Dieu voulait prospérer nous, rapidement. Deuxièmement, bon Dieu voulait prospérer nous parce que c'est naturel. He can't help it. He can't help it. How can a good God be not good? Comment bon Dieu fait pas bon? La réalité, c'est la nature de Dieu de nous prospérer. De nous prospérer. Quelques mois de cela, médias, équipe de médias, nous sommes à New York. Nous sommes à un séminaire New York. L'un de Kennedy, nous jouons à Haïtien, nous prenons un taxi. Et puis, nous tout chita derrière. Et puis, il arrive que monsieur qui a conduit machine, c'est un Haïtien lié. Et puis, il n'a pas parlé avec monsieur. Nous dit, monsieur, depuis qu'il a quitté la car, il dit quitté la car, moi, depuis à 8 heures hier soir. Nous dit qu'il a rentré. Il dit comme ça, n'a pas rentré, il dit pour me rentrer dans une 6 heures, peut-être dans une 6 heures à soir. Et puis, l'un fait calcul là rapidement, nous rendons compte son nez qui derrière volant pour 22 heures de temps d'affilée. Depuis 8 heures du soir, il fait toute nuit qu'il travaille, il levait le matin et puis il travaille 22 heures de temps. Là, n'a pas regardé monsieur, là, monsieur fait que dibaga là, qu'il me fait mal pour lui. Mais, tant que n'a pas parlé avec monsieur dans la machine, c'est tant que monsieur a nous blague. C'est tant que monsieur a raconté nous des histoires. Finalement, nous vîmes pas rendre nous compte, fini par rendre nous compte que qu'un nègre l'a content. Donc, nous-mêmes, nous obligés de poser monsieur question ça. L'on a travaillé 22 heures. Et nous m'avons dit, monsieur, combien de temps on a fait ça? Monsieur dit, il y a 20 ans, on a fait ça. Mais bagalons, j'en ai parce que
Quel nègre là tellement content, m'oblige à poser la question. Je dis, monsieur, l'on va travailler du comme ça dans Manhattan. Dans le report des taxis, on va faire 22 heures de travail. Et pour dire, on va faire ça pour 20 ans. Je dis, monsieur, expliquez-moi, qui ça fait quoi content comme ça? Et puis, monsieur, font frapper volant machine. Et puis, il dit, ouais, volant machine, ça, derrière volant ça. Il dit, m'baille toute petite, moi, une bonne éducation. Il dit, volant machine, ça, baille petite, mon bonne éducation. Il dit, premier petit garçon, avocat. Il dit, deuxième, et premier petit femme, lui-même, médecin. Et puis il dit, troisième, nous gagnons une infirmière. Il dit, comme content, je suis un homme heureux. Il dit, m'a bien mené. Il dit, la vie m'a bien marché. Même si ma travail 22 heures de temps, mais comme content. Et puis, donc, un homme, je ne sais pas, même un homme converti, même nous t'essayons de prêcher l'évangile, mais. Il n'est pas semblé ça te marcher dans le sang, dans le moment. Ça veut dire, l'homme est un pécheur. Son pécheur, c'est un monde qui gagne le mal dans lui-même. Son monde qui est imparfait. Mais malgré l'imparfait, il connaît comment pour le bail petit li, bon bagaille. Vous entendez ça me dire, hein? Malgré son pécheur, malgré le pas même converti, il va contre bon Dieu, mais il compte bail petit li, bon bagaille. Regarde qui ça Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 11 lui-même. En nous lisant comme Matthieu chapitre 7, verset 11. Regarde qui ça Jésus dit. En nous lisant ensemble, qui ça? Il dit qu'on s'est regardé. Si donc qui ça? Méchant comme vous l'êtes. En nous lisant ensemble, qui ça dit? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Dis-moi ça, à combien plus forte raison? Dis-le encore, à combien plus forte raison? Il dit, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Quel que soit Jean Moun, madame, quel que soit Jean Moun jaloux, quel que soit Jean Moun raïmoun, quel que soit Jean Moun égoïste, il compte bail petit li bon bagaille. Donc, on a voulu faire connait l'homme avec tout égoïsme, tout envie, tout jalousie, il connaît pas petit li bon bagay, et puis pour dire bon Dieu qui dans ciel là qui papa et puis pour pas gâter petit li, pour pas payer caï petit li, pour pas payer machine petit li, pour pas payer petit li, tombe diable. Mais remarque un bagay. Texte là dit un bagay clair, oui. Remarque elle dit, il pas dit combien à combien plus forte raison donnera-t-il de bonnes choses à tous ses enfants, non? Et pas ça le dit, non? En d'autres termes, vous avez un petit bon Dieu, ou pas joindre rien, non? Mais ce n'est pas parce que bon Dieu n'a pas fait bail, non? Il y a une condition pour recevoir. Combien à plus forte raison donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui de pour joindre les formes d'elle? Mais on connaît qui grand problème qui gagne dans la communauté haïtienne, non? C'est parce que pendant longtemps, Jésus dit, seul Jean va jouer une bombe à gagner dans mes papas, c'est pour demander papa. Mais pendant longtemps, là, on a prêché l'évangile, il a dit, si je prie pour une bonne machine, ça veut dire matérialiste. Si je prie pour un bon caille, matérialiste. Si je prie pour un bon travail, mon matérialiste. Donc finalement, on n'a pas de monde qui fait toute vie marcher dans la pauvreté. Mais ça qui fait pas jamais marcher dans la pauvreté, c'est parce que n'a pas jamais demandé. Mais ça qui fait pas jamais demandé, c'est parce que je n'ai pas de prédicateur. Tête bochette, cap dit yon tank d'ailleurs chiré, c'est tant que yon plus spirituel, tant que radio plus chiré, c'est tant que yon plus près, bon Dieu, yon pas jamais demandé. Regardez moun ki koto la dit pas demandé, pas demandé. Sou gen problème kayal pa la papa, sou gen problème rental pa la papa, sou gen problème marginal pa la papa, sou besoin radal pa la papa, sou besoin job pa la papa, sou besoin économie pa la papa. Si ou pa pa la papa, a qui est pour parler? Sou pa pa la papa, a qui est pour aller? Ou pa kal fè wanga, ou pa kal pran point, ou pa kal vann moun, ou pa kal vann petit. Sou pa pa la papa, a qui est? Rele matérialis jonvle même à prier pour bon Dieu prospérer ma. Rele matérialis jonvle même à prier pour bon Dieu lever ma. Rele matérialis jonvle même à prier pour bon Dieu faire route avec ma. Rele matérialis jonvle même à prier pour bon Dieu passer avec ma. Et la passe avec ma. Sous d'accord ça dit gloire. Yeah. Lidi ma baye à moun ki mande.
à combien plus forte raison que la baille petit lit à moun qui mandel moun qui recevoir de la part de Dieu c'est l'heure où moun va passer dans situation et puis rentrer en closette avec l'Éternel et pour dire regardez l'Éternel ou qu'est-ce qui campe devant soi c'est Jacob qui vient devant là quand on est rentré dans closette ça quand on est rentré dans la chambre de prière ça quand on est rentré dans jeûne ça quand on est dans présence ou là m'pa quitter là tout temps à bénir m'pa quitter là tout temps pas recevoir un coup de fil m'pa quitter là tout temps pas recevoir un signe m'pa quitter là pour pas recevoir parole. Yes. Bon Dieu, qu'on baille petit li bon bagay. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Il mette tout en réserve pour seul bagay li demande. The only condition. Frappez ou a ouvert. Mandez ou à recevoir. Cherchez ou à trouver. Seule condition mettez, li la pour just mandé. Just mandé. Parce que déjà la nature lit déjà pour le prospérer. Premièrement, Dieu veut vous prospérer parce que c'était son plan originel. Deuxièmement, Dieu veut vous prospérer parce que c'est sa nature. Il prend plaisir pour le bail petit les bon bagage. Si nous-mêmes nous cabaille petit nous bon bagage. Il prend plaisir pour le bail petit les bon bagage. Troisième raison qui fait Dieu veut nous prospérer. Troisièmement, Dieu veut nous prospérer parce qu'il finance. Dieu finance le royaume à travers nous. Il finance l'évangile. Notre prospérité finance le royaume de Dieu. C'est une forme de là. Prospérité finance le royaume de Dieu. Le bon Dieu a un projet, un bagage besoin fait. Le bon Dieu a un bagage besoin fait. On croisade a besoin bâti. Il y a l'hôpital. Il y a l'orphelinat besoin fait pour les démunis. L'Éternel a besoin de faire un bagage dans le monde. Il parle devant Chess pour l'alpon l'aune. Il parle pour fond prêt dans Bank of America. Les bon Dieu besoin fond bagage qui ça le fait. Il parle avec petite li, il parle dans cœur pour yo financer projet. Mais comment l'Éternel ka fait withdraw la caillou s'il pas jamais fond déposer. M'pa ko comprendre ça m'a dit là. Les bon Dieu ka fait li besoin régler. Télévision, radio, croisade, l'hôpital, orphelinat, si, ça, etc. etc. L'Éternel parle camper devant une banque. C'est petit qu'il demande. C'est cœur qui me touche. C'est nécessité à le faire. Oui. Mais comment il va le faire mandat s'il va pas où? Donc, si vous regardez, le premier monde qui bénéficie de la prospérité, ce n'est pas même nous-mêmes. Le premier monde qui bénéficie, c'est l'Éternel encore. Il a intérêt, bon Dieu, pour le prospérer. Oui. Il a intérêt, bon Dieu, pour le lever. Tu es un grand millionnaire qui était là, South Beach. Pas besoin de dire non. Mais qui était un grand ligne de vêtements italien. Très cher. Pourquoi il était fusillé, monsieur, quelques années de cela. Donc, quelqu'un qui a compris qui est, va parler. Tu es un élément haïtien qui travaille là, monsieur. Multimillionnaire ça dans South Beach il a acheté tout un hôtel yon hôtel pour compte li li prend hôtel là il fait le tourner maison privée attendez on a qui besoin car il achète un hôtel pour l'habiter là-dedans dans South Beach là t'es gagné un haïtien qui travaille là car monsieur le monsieur entré en dedans il dit pasteur Greg m'te fait sécurité pour monsieur. Compagnie sécurité me travaille là, il est employé pour le bas monsieur sécurité. Mais il dit, là où la caille monsieur, non seulement monsieur pour hôtel pour l'habiter, mais tout bathtub monsieur, tout fait en or pur. Tout côté monsieur a baissé pour la toilette, pour le baigner, tout fait en or pur. En la piscine monsieur, etc. Tout bagasse extraordinaire. Plus grande marque qui sortit en Italie. Mais elle dit, pasteur Greg, quand vous avez monsieur habité, depuis vendredi soir, fait bling. Garçon, non, garçon. Il n'y a pas intéressé dans la fille même. Depuis vendredi soir, fait bling, bamboche. Mais qui ça le monde fait avec l'argent?
L'élément de l'argent dans mes gars, bamboche, drogue, femme, garçon. T'es que c'est moi-même avec. Les bon Dieu bénis, nous faisons orphelinat, nous faisons l'hôpital, nous finançons croisade, nous finançons ni ça. S'il pas bénis, nous qui est-ce qui a financé l'évangile? Le monde pas intéressé dans ça. Le monde pas intéressé dans l'évangile. Le monde pas intéressé pour faire bon bagage. C'est moi-même avant pour bon Dieu. Levez mes en l'air. Dis c'est pour me bénir. Il a intérêt, bon Dieu. Il a intérêt, bon Dieu, pour le prospérer. Le bon Dieu qui a fait le que l'a fait, c'est à travers nous que le finance. Bon, il faut regarder un verset biblique. Nous allons terminer avec. Regardez verset ça. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Un verset qui est fort. On nous lit ensemble. Il dit, et Dieu, on nous lit ensemble. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu qui ça? Peut vous qui ça? Comblé de toutes sortes de. Dis-moi encore, qui ça? Qui ça? Aïe, aïe, aïe. Remarquez là, oui, apôtre Paul a parlé de bien matériel. Là, il n'est pas ça, lui, non, il a parlé. Parce que regardez là, il dit Dieu peut vous combler de toute forme de grâce, afin qu'ayant toujours en tout vos afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et que vous ayez encore là. Donc c'est pas bagarre là, c'est bien matériel. Si vous regardez dans le chapitre là, ou après c'est de bien matériel que la parlé. La parlé de bien matériel, mais comment le relire? Dieu, comment le relire bien matériel là? Prédicateur mal chaudé dit c'est matérialiste. Prédicateur mal chaudé dit c'est bagarre lâché. Prédicateur mal chaudé dit c'est bagarre matériel. Mais qui ça la Bible dit? Et Dieu peut vous combler de ça de tout. L'on achète ton cas, ils sont grâces. L'on a couru mon machine, ils sont grâces. L'on a un bon job, l'éternel est long grâce. L'on a mis ton bon costume sous l'eau, l'éternel est long grâce. L'on a foncé vingt la banque, l'éternel est l'aile. Comme elle est l'aile. Oui, le bonheur est là. Aïe, aïe, aïe. Oui, le bonheur est là. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moun a diminué bien matériel, mais l'éternel relève yon grâce. Et pas jamais prendre pause ou tellement spirituel pour diminuer grâce bon Dieu dans la vie. Pas jamais prendre pause ou spirituel pour rabaisser grâce bon Dieu dans la vie. Parce que si vous ne pouvez pas dormir en bas, on pense c'est yon grâce. Si vous ne pouvez pas marcher avec cuir dans la main, c'est yon grâce. Sous pas marcher dans la rue Kounia son grâce. Sous pas dans la rue Miami son grâce. Gen blanc qui j'évète et puis qui a demandé de l'éternel. Malgré vin dans papier sans papier, sans anglais, sans diplôme, sans degré. Mon pas j'aime dormir en bas pour l'éternel dit son grâce. Pas jamais minimiser grâce bon Dieu dans la vie. Conseil de prédicateur a prêché, ou a dit c'est il a prêché tout moun yo, il a prêché yo, yo gen nam seulement, yo pa gen corps. Oui, m'intéresser. Oui, comme ça m'oublie songer que nam l'important, mais nam habiter non corps. Jou corps a paté ke, grand goutouyel, maladie touyol, même moment nam n'a ap quitté corps parce que nam n'a pas d'accord été non corps qui paté ke. Nam n'a pas d'accord été non corps qui pas manger. Sou pas manger la fait outre l'aller. Si pas gen santé la fait outre l'aller. Sou pas bien blablabla. Ça veut dire pendant m'a prêcher nam nan tout et puis faut gen provision pour corps paté ke, faut gen provision pour mettre en rad sous moi, faut gen provision pour moi pour me dormir bien parce que nam n'a pas arrêté côté corps abandonné. Regarde, m'ta mon dit ça bien fort. Dis matériel. Conseil de chrétiens qui doivent faire comprendre, matériel son péché. Et moi, avant qui crée matériel, lui, mais l'éternel qui crée matériel. Pas la même. Et moi, tu crée matériel, c'est pas vie, ni me vie, matériel là, depuis l'éternel vient le créer matériel. Et moi, crée matériel là. J'ai besoin de mecs choumba mal utiliser. Moi, j'ai besoin de mecs choumba qui te tourne bon Dieu. J'ai besoin de mecs choumba gouverner la vie. Mais c'est pas moi qui crée matériel, non, c'est l'éternel qui crée matériel. Que l'église comprenne ce qu'elle dit là. Donc, regardez sa texte là, dit 2 Corinthiens, on retourne sur lui. Il dit Dieu peut vous combler de toute grâce. Et puis il dit qui sa grâce là va le faire? L'elle vient là, vous ça le faire. Afin que
possédant. Ça veut dire l'homme qui a possédé des choses sont grâce. Est-ce que nous avons dit possédant? Dit possédant. Possédant. L'homme qui a possédé des choses sont grâce. Possédant car ils sont grâce, possédant machine sont grâce. Grand bon job sont grâce. Afin que possédant. Et puis regardez qui ça dit, moi mais ça, moi mais ça. On dit toujours. L'Éternel pas intéressé pour le tecker un seul jour, pour le tecker deux jours, pour le tecker un mois ça et puis pour oublier mois prochain, pour le tecker l'année prochaine, pour oublier demain, pour le tecker semaine ça. Dit toujours. L'Éternel intéressé pour grâce va venir lit lit. L'Éternel a intéressé pour grâce va venir une après l'autre et puis pour pas jamais manquer rien. Pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Dit toujours. Et puis regardez qui ça dit, afin que possédant toujours moi mais ça oui. Et puis il dit pousser toujours et puis moi mais ça. Il dit en toutes choses, on dit toutes choses. Parce que l'Ibal dit en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, mais il dit toutes choses, on dit toutes choses. Ça veut dire tout petit besoin ou gagner dans tout petit bagaille, l'Éternel intéresse là-dedans. Pas gain petit besoin, gain gros besoin, quel que soit j'ai besoin en petit, si c'est non mariage m'braler et puis besoin d'une belle rade pour m'chel ben pour la gloire de Dieu. Aïe 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 aïe. L'Éternel entre dans tout détail. Il dit garde dit toutes choses. Ça veut dire rade l'entrer dans toutes choses là. Ça est-ce que le combat ça m'a dit là? Ça veut dire ça ne relève petit bagaille, ça veut dire avant m'entrer dans Messie. C'est pas matériel moins matériel. Souhaite avant m'entrer dans Messie et puis me dit Seigneur, m'se serviteur, semaine prochaine que pour mal prêcher au côté, me besoin pour me débarquer son bon costume à un bon prix, un bon discount et puis pour le petit soir porter pour le Chelbert. Li pas matériel, li relève grâce. Li pas Chanel, li relève grâce. Li pas vagabond, relève grâce. Et bon Dieu intéressé là, dit toutes choses. Dit toutes choses. C'est tout de chaud. Regardez, possédant toujours en toutes choses. De quoi satisfaire? De quoi satisfaire? Tous vos besoins, pas grand besoin que l'Éternel trouve qui Chanel, qui bat, qui pas la hauteur. Tout, à tous vos besoins. Et puis qu'on y a, où est tout ça nous se dit là? Tout ça nous se dit là, il y aurait la suffisance. Anglais a dit all sufficiency, la suffisance. Mais le tout besoin, le besoin fin satisfait, c'est la suffisance. L'on a payé caillou, c'est la suffisance. L'on a payé mortgage, c'est la suffisance. L'on a payé machine, c'est la suffisance. L'on a mangé, j'aime dire, c'est la suffisance. Mais qu'on niveau qui pire que la suffisance. Et c'est seulement l'arrivée dans le niveau ça qu'on y est ou qu'a commencé à financer l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous avons aimé? Lui dit comme ça, après, livre qu'on possède toutes choses, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, qu'on y a un niveau qui au-delà de satisfaction du besoin, les tous besoins satisfaits, et que vous ayez encore, ça c'est deuxième dimension, hein, que vous ayez encore en abondance. Premier niveau, c'est la suffisance. Deuxième niveau à lui-même, c'est l'abondance. Afin que vous ayez encore en abondance. Maintenant, le bail abondance, pour qui ça le bail? Est-ce que c'est pour gaspillage? Est-ce que c'est pour faire chelbe? Est-ce que c'est pour montrer mon? Non, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne. Maintenant, qui ça yon bonne œuvre? Jésus dit comme ça, que les hommes voient vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Bonnes œuvres qui s'allient, c'est toute bagaille qui glorifie bon Dieu. En d'autres termes, l'Éternel veut gagner extra, et puis les grands bagailles qui ont fait, qui ont glorifié le nom de Dieu, et puis où qu'on est, si on chèque, et puis ça va du moins, ça va nuire, ou de vous faire offrir là, et puis ça va nuire, est-ce que vous avez même, et puis orpheline qui a bâti, et pour dire mettez nombre pour $1,000, et puis ça va nuire, c'est pas effort à faire, c'est pas chèque, c'est pas souhait, c'est pas dans le goût même, dit mettez nombre pour $1,000, mettez ça pour l'école là, est-ce que l'Église avait même, mon petit cousin, m kap soufri lèm t'ap levé yo te di m pa t'ap jam rien yo te di m te noue m te mèk cheve m te coûte m pa t'ap jam rive et puis m pa m prend Jésus m mette l'an corsage moi et puis kounya l bénim et puis lè ap gou même dit de temps en temps que bon sèk sa lola nan mon petit mais que bes tout le de bon di gloire. Toutes bonnes œuvres. Bonnes œuvres, vle dit orphelinat qui a bâti. Bonnes œuvres, vle dit croisade qui a fait. Bonnes œuvres, vle dit, regardez qui ça, restaurant. Ah, où recevoir ça, son vaillant.
Ça a son vaille. Bon, son vaille. Ou son vaille. Que nous bénis au nom de Jésus. Me déclarer que bénédiction, mon Dieu, sur vous. Ça a son vaille. Dis toute bonne chère. Dis toute bonne chère. Bonne chère signifie y a battu orphelinam, dit mettez-nom. Y a battu l'hôpital, dit mettez-nom. Il a dit quoi ça, y a bral font voyage missionnaire. M'a pas bien temps pour m'aller parce que m'a travaille. Mais gen moun ki pa ka aller, m'a bayon $1,000 pour y aller. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que n'a vè men? Bonne chère signifie gon croisade ka fait mettez-nom là-dedans. Bonne chère signifie radio a fonctionné, télévision a fonctionné. Pour l'évangile prêché, mettez-nom là-dedans. Et puis l'éternel agit. Levez-moi, elle dit gloire. Donc là mon a vinn di m konsa. Là mon a vinn di m. Moi là mon a parlé. Yo dit ça son l'évangile prospérité. Mon l'évangile quand l'évangile prospérité. Et l'évangile il parle dans la Bible mon prospérité parle dans c'est moi qui invente elle. C'est moi qui invente elle. C'est moi qui invente elle ou bien quelque part moi t'ai dit je veux que je veux qui ça je souhaite que tu prospères à tous égards et toi c'est dans bouche moi le sorti ou bien bouche papa qui dans ciel là qui dit moi désirer qu'on prospère à tous égards. Regardez, bon fin prêcher, bon faire quelques prières, lever camper, bon faire quelques prières. Fin prêcher. Oh karababa sede boshanama karobo sede debasada. Gardez chers amis, nous voulons bagaille qui traite fort avant nous prier. Après m'te fin prêcher premier message, à deuxième message, m'te dit ça, monsieur qui était dans protocole, m'te dit ça yo. M'te dit m'ta souhaité l'église à comprendre ça qu'a prêché là. Parce que m'te dit on bagaille. M'te dit on pas connait si c'est moi qui pas jamais rencontré. Même pas que j'aime ouais yon moun koué dans pauvreté pour le prospère. Mboko jam wè moun kwè nan pauvreté. M'pa konti gen moun ki rencontre l. On moun ou gade wè ki prospère tout a fait at marché et puis le kwè nan pauvreté mwen mboko jam rencontre. Konsa tout l'homme tap levé jeune garçon m'te nan ministère. Et m remarque yon bagay. M remarque yon bagay, bon dis ça. Ou a remarqué même dans le ministère, ou a pour tout le monde qui croit dans la pauvreté rit pauvre. Dans le ministère, je ne vois pas quatre amis pasteurs. Il y a un pasteur qui croit dans la prospérité, il y a un qui ne croit pas. Il y a un qui croit dans la prospérité, il y a un qui croit dans la pauvreté. Mais pour une raison ou pour l'autre, on dirait tout ça qui est dans la pauvreté, tout ça qui croit dans la pauvreté, tout est pauvre ou est abgoumé. Pasteur ou même qui croit, qui lit la Bible, qui prêche, qui croit, qui parle, qui prêche prospérité, c'est l'ouga de ouais qui a fait gros impact pour bon Dieu. Il a bâti l'église, il a bâti l'école, il a bâti télévision, il a bâti radio, il a fait voyage missionnaire, etc. Bon, je vais souhaite comprendre le message là, parce que ça dit là, même si je parle de $1,000, je parle de $1,000,000, mais si la mentalité seulement change, je vais sortir l'église là. Parce que le premier côté où vous prospérez, c'est dans Miley. Hier, je me dis comme ça. Hier, dans le service anglais, je raconte un témoignage. Je suis sorti dans l'église, je me levais dans l'église. New York, parce que l'homme a commencé, même j'avais mentalité pauvreté et tout, même j'ai tout le monde. Mais quand le bon Dieu confronte moi. Et puis me garder la parole de près qu'on a pour me changer mind moi même commencer avec mentalité pauvreté à tout. Let them come, that's fine. You could let them come. Et m'étais sorti dans l'église, côté me grandi. C'est une église plus grande dans New York. Jusqu'à présent, une salle qui plus grande qui a accommodé jusqu'à 3000 monde. Même si j'ai pasteur a te dit une fois pendant t'a parlé avec elle. Le samedi, jeune garçon, il a parlé avec nous. Et puis il dit nous, où connaît l'église qu'on remplit avec 3 000 personnes? C'est $300 nous recevoir comme offrande.
Ah, me dit pas vrai. Me dit pasteur, classe là, jeune mon cher. Dit pasteur classe là, il pas vrai, l'impossible. Et puis qu'on y a me vienne évangéliste et puis moi-même moi vienne font croisade de l'église là. Pasteur Jimmy connait l'histoire ça bien. Il était en faire croisade. La croisade avec. Et puis dans soirée qu'on a c'est moi qui a organisé croisade et puis chaque soir l'église a bondé mon rete campé et puis nous recevoir offrande nous $300. Alors, tendez bien oui, il y a me témoignage à jeune yo. À jeune yo. Kounya, imaginons me sortir avec nous. Imaginons me sortir avec yon mentalité. Yon l'église qui réunit avec 3000 moun et puis gagne $300 qui a rentré comme offrande. Fast forward 15 ans plus tard. Nous t'en dans 125. Et puis gonlè n'a pas adoré comme ça. Et puis pendant n'a pas adoré dans présence mon Dieu et puis m'tande l'Éternel dire comme ça. Dix peuples là, bah, rendez-vous pour le 29 octobre. Parce que m'vle nous, $1,000,000. Oh, on va comprendre ça, m'a dit là. M'sorti dans $300. Et puis, bon Dieu dit, $1,000,000. Ah, monsieur, et m'senti baga la fond dans l'esprit. M'parla avec mon yo, après m'fin adoré. Me dit chers amis, bon Dieu, m'tendez voix bon Dieu. Bon Dieu parle avec. Bon Dieu dit nous pour nous faire confiance. Moi quand laisse ça 6 months down the line. Moi comme dit en mai, on va qui va le faire en octobre. Me dit quoi ça? Bon Dieu dit nous pour nous faire confiance. Et puis me prend petit pause. Me dit bon Dieu dit nous faire confiance pour $100,000. Me couper 90% ça l'Éternel te dit non. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdia? Ou est-ce que vous comprenez pour qui ça m'a prêché l'audace de la foi? L'Éternel dit $1,000,000, je ne pas de audace. Parce que moi, je m'a prêché, je me dis avec qui figue? Je dis avec qui figue? Je connais l'église qui remplit à 3000 personnes déjà. Il a ramassé $300 pour me venir camper devant l'église dans 125 sous Bank of America pour me garder mon lieu dans figue pour me dire $1,000,000. Non, je dis m'a dit 100 000. 100 000 là déjà assez. 100 000 là déjà trop. Je dis 100 000. Je dis 100 000. Je dis, chers amis, bon Dieu, dis-moi de faire confiance pour 100 000. Mon compte, ça a crasé. Mentalité de pauvreté, oui. Puisque je suis tellement habitué avec 300 ces mentalités pauvres là, je ne sais pas quoi, je suis goûté, même le bon Dieu parle, je ne suis pas d'accord. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas d'accord. Regardez, l'Éternel dit comme ça. Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. En d'autres termes, pour manger les meilleurs fruits du pays, il faut vouloir. Ah, on va attendre ça, Mdoula. Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Pour bon Dieu prospérer, il faut vouloir. Des gens qui sont tellement habitués avec mentalité, ils ne pas vouloir sortir là-dedans. Ils ont senti bon Dieu ennuyé. Joue l'Éternel quand il dit qu'on ça fait confiance pour $1,000,000. Je me sens bon Dieu contrarié parce que je suis très spirituel, après suis un bagage céleste là. Mon adoration, je suis un bagage céleste. Donc, moi-même, je ne suis pas quoi ça. Je ne suis pas voulu quoi. C'est pour l'Éternel, bon bénédiction, pas semblable. Je ne suis pas voulu quoi. Je dis, et même 100 000 là, je me sens 100 000 là, ce sont pas quatre bagages. Et puis qu'on y a me songer après service fini nous dit tout le monde s'est prier sous ça et puis me venir on t'a manger avec pasteur Chris le salle de l'église et puis me chita la cali n'a manger et puis pendant n'a manger me dit waouh ça son bagage sérieux oui mais là ah pour me ta ouais bon Dieu t'a ba nous $100 pour me ta bon Dieu t'a ba nous $100,000 aïe 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 me dit à la fête me ta fête pour me ca bon Dieu ba nous $100,000 et puis pendant la manger comme ça ils font commentaire. Et puis on a parlé, il dit, belle bagaille, moi au lieu de bon Dieu ba nous 100 000, et puis bon Dieu ba nous 1 million. Même moment, il dit, ça me sentit un bon coup de couteau, fap. Et puis il me dit, sous tableau, comment ça s'est passé? Il me dit, je péché contre bon Dieu. Bon Dieu pas dit 100 000, non? Ça, bon Dieu dit, non, pas dit. Il me dit, je dis, pas de figue pour me dire. Il me dit, pas d'audace, mais pas ça, bon Dieu te dit. Moi, sordia, c'est ça, bon Dieu te dit. Même pas ouais m'gai la foi pour mal dire ça. Dimanche prochain, je retourne à l'église là. Et puis me dit mes bien-aimés, dimanche dernier, m'pas dit nous ça l'Éternel de dire.
Est-ce que combien de monde qui est d'accord? Faut d'accord? M'aller devant, me dit, chers amis, me péché contre l'éternel. Ça, l'éternel te dit, non, c'est pas samedi. L'éternel pas dit 100 000. L'éternel te dit 1 million. M'aller me dit ça. L'homme fin dit ça ne commence pas. Mais pendant que je fin dit ça, pendant que je dit ça, parle en pile tout. Eh, parle en pile, mais parce que nous avons 1 million de dollars, etc. Nous sommes tous les 1 million de dollars sans dégâts. Qui dit, pasteur, changez nos bagages là. Je dis, comment vous me faites changer? Eh, pas moi qui te baille, non. Est-ce que je te baille, non? Je dis, pas moi qui te baille, non. Ou à dire, me changer. Même pas, eh, pas moi qui te baille, non. Eh bien, chers amis, le pour bon Dieu, t'es passé avec nous dans le premier 40 jours jeune. Et puis bon Dieu pète les portes là l'ouvert. Ça me pense qu'il était impossible là. Bon Dieu fait et puis il fait avec que. Et puis regardez, me rendre compte pendant tout temps ça blocage là, c'est pas l'homme mais l'éternalité. Non, l'homme mais moi parce que c'est à toi seul on l'a habitué. C'est à toi seul on l'a habitué. Et puis me stocke là-dedans, me ferme là-dedans. Et me j'ai l'impression si dimanche dans dimanche d'après, on pas repenti devant mon Dieu. Jusqu'à présent, nous sommes goumen dans la même situation. Est-ce que l'église commence à comprendre? Je déclare que c'est pour toute mentalité de pauvreté brisée dans la vie. Je déclare que ce n'est pas les croyants, c'est pour l'éternel faire. Je déclare que ça qui est impossible, c'est pour l'éternel faire. Je déclare que ça qui pas semblé avant là, c'est pour l'éternel faire. Je déclare que ça qui pas semblé crédit ou là, c'est pour l'éternel faire. Je déclare que ça qui pas semblé diplôme ou là, c'est pour l'éternel faire. Je déclare que ça qui pas semblé papier ou là, c'est pour l'éternel faire. C'est pour l'éternel faire. C'est pour l'éternel faire. Pour l'éternel te prospérer, il faut te confronter mind. Il faut te break something in my mind. Faut te break something in my mind. He had to break something in my mind. And today, à travers mes messages, ça c'est ça m'a passé fait. If only through the word we can break the mentality of poverty, we don't have to worry about the other. They're gonna come by themselves. M'ba jamais wè moun kwen nan pauvreté pour yo prospérer. C'est toujours moun ki kwen nan prospérité qui prospère. Et les gens qui croient en pauvreté mènent toute vie de pauvreté. Les gens qui croient en pauvreté, elles font tout le temps, chaque mois, la boumen. Et puis pendant la tellement dit comme ça, les spirituels, c'est ça qui fait le croire en pauvreté. Et puis chaque temps, bac lui semble la prendre l'eau. Les gens qui considèrent pas spirituel là, c'est lui la vie de prêter. There's something wrong in this equation. There's something deeply wrong in this equation. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Karobo sanamaya. Roboko saraba pepe keso roboko sharabaya. Tabarebe tediribo so roboko shanamaya. Takaraba babako roboko so roboko ye. Rabako roboko robo sharabayana sekerebo sharabaya takaroboko yerebo sarababa. Vendredi soir, combien moun ki te la vendredi soir ou hier vendredi soir l'on commencé prêcher contre esprit de pauvreté, chasser esprit de pauvreté, ou va l'esprit de pauvreté manifester dans ça là? Esprit a manifesté le parler. Et puis mon abdi au coin là-dedans. C'est pour bon Dieu libérer. C'est pour bon Dieu faire route avec vous. C'est pour le faire chemin avec vous. C'est pour façon qu'on changer. C'est pour façon qu'on réagit changer. Alléluia. Rabasarabaye. Takaroboko sarabaya. I feel the anointing for prosperity is in this place. God's anointing for breakthrough is in this place. Onction de Dieu pour percer dans place là. Onction de Dieu pour percer dans place là. Onction bon Dieu pour percer dans place là. Onction bon Dieu pour percer dans salle ça. On dit onction bon Dieu pour percer surnaturel dans place là. Onction bon Dieu pour percer surnaturel dans place là. Onction bon Dieu pour prospérité surnaturelle. Oh yes, oh yes.
Oh yes. Oh yes. Jésus dit, si tu as la bonne volonté, si tu as bonne volonté, si tu as bonne volonté, si tu as la bonne volonté, hein, si tu as craser l'amitié à misère ça. Craser l'amitié à misère. Craser avec elle. Aussi longtemps résigné, on va pas prospérer. Aussi longtemps d'accord avec elle, on va pas prospérer. Aussi longtemps parce que c'est normal. C'est pour dire la misère, m'a marre saucisse avec elle encore. Prospérité, m'a marre. Regardez, pauvreté, m'a marre saucisse avec elle encore. Christ mourit à la croix pour le faire différence. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Give me an envelope, please. An envelope. Oh yes. 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 Tout le monde qui besoin enveloppe offrande ou capable prendre le kounya ou capable prendre le kounya. Pendant l'adoration, ça l'a senti un bagage spécial qu'il a. Un bagage spécial, un bagage qui pas normal qu'il a. Bon baka qui pas normal qui là. Mama cerebo charra ba 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 kor. Erebo ko sorro mo ko cerebo. Ra ba 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 corre vetere erebo sana ba kai. Ra ba 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 corre vetere erebo sana mañana ma. Robo corre vetere erebo sorro mo ko yere. Ou même qui la caillou qui besoin participer dans sa cap fait ça. Relais 786 555 80. 786 555 80. 786 555 80. Dame, faut qu'on ait son bagage spécial qu'a fait là. Pas des moun qui m'a des moun pour des offrandes. C'est garder yon senti yon poussé pour yon porter offrande de la caille, bon Dieu. On dirait des moun qui intelligent. On dit qu'il y a des gens qui ont intelligence spirituelle, l'apôtre Paul parle dans Corinthiens 1. Donc, nous sentons pas grand bagage par l'esprit qu'a fait là. Ce qu'a fait là, c'est pas dans la chair, la fête, son bagage qu'a fait par l'esprit. Si je vous dis que la carte, je suis capable de 786, 515, 80. Moun, au nom de Jésus de Nazareth, qui soit application Shekina, ou capable de cliquer sur le bouton cœur. Moun qui n'a application Shekina, ou capable de cliquer sur le bouton cœur. Et puis présenter devant bon Dieu. Moun qui la carte, cliquer sur le bouton cœur, présenter. Moun ki sou Facebook, moun ki sou Facebook ou kapab clique bouton donate là en bleu et pou kapab présenter, ou kapab présenter, ou kapab présenter. Moun ki sou YouTube ou kapab clique sou lien par en bas et pou kapab présenter, ou kapab présenter devant mon Dieu. Na mama serebe korobo ko sharaba rababebe ke debo saraba ko yerere debo sana mayana yada ba shorobo ko saraba baba ba sorobo ko ye korobo ko sharaba yerebo saraba yana ma rabako yerebo sharaba yada ba tout moun ka pote offrande normal yo tout moun ka pote offrande régulière yo jodi an pa ka passer pa ni abaka la pour l'autre dimension pour l'autre mouvement quel que soit koto ye ou ki te vini avec offrande ou avec dimou. Ou mettre seulement poté le devant au nom de Jésus de Nazareth. Et si m'te ou m'ta présenté offrande que l'Éternel dit non. Au nom de Jésus, parce que gombaga c'est Dieu qui a fait là. Gombaga nous pas qu'à comprendre là. Gombaga douol, gombaga douol. Gombaga douol. M'songe l'Éternel va le passer avec nous en tant qu'église. C'est même baga là que l'Éternel va le faire. M'songe pas dans un studio radio. Et puis soudainement, gombaga qui tombe dans la radio. Gon présence qui tombe dans la radio. Gon grâce qui tombe dans la radio. Et puis regardez, le reste c'est l'histoire. Le reste c'est l'histoire. C'est pour bon Dieu faire histoire avec vous. C'est pour bon Dieu changer destinée. C'est pour bon Dieu changer circonstances. Au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel va prendre plaisir pour traîner. L'Éternel va prendre plaisir pour malmener. L'Éternel son bon Dieu qui rêve petit lit. Qui voulait pas petit lit le meilleur que possible. Je déclare au nom de Jésus. Pendant la vie devant au nom de Jésus. C'est pour bon Dieu financer l'évangile à travers vous. C'est pour bon Dieu financer croisade à travers vous. C'est pour bon Dieu financer l'hôpital à travers vous. C'est pour le financer station de radio à travers vous. C'est pour le financer station de télévision hein, à travers vous même au nom de Jésus. Oh yeah! Oh yeah!
those of you who can pray in the spirit, start praying in the spirit. Soufin ba yo frandou deja. Et puis commencez à prier par l'esprit. Parce que ça qu'a fait là, là c'est bon bagage la chaîne. C'est bon bagage la chaîne, non? C'est bon bagage normal, non qu'a fait là. C'est bon bagage normal qu'a fait là. C'est bon bagage normal qu'a fait là. Tout le monde a esprit de prière. Tout le monde a esprit de prière. Prospérité sont questions âme liées. Prospérité sont questions spirituelles liées. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérité sont bagages qui commencent dans l'âme. Ça veut dire ça qu'après de là sont questions âme liées. Ça qu'après de là sont questions âme. Sont questions à l'éternel priorité. Sont questions à l'éternel première place. Sont questions de confier à l'éternel à Salvaou. Sont questions passées de mentalité $300. Et puis m'chita, puisque ça avec $300. La m'habitue, tout ça m'a confié l'éternel, c'est $300 pour lui. L'éternel voulait monter 1 million avant et pour dans $300. Ou à parler ou bloquer dans $300. Que l'éternel change vitesse avec vous. Que l'éternel change vitesse avec vous. Que l'éternel change vitesse avec vous. Quel que soit bloqué, c'est pour le débloquer. Sous bloqué dans 1000, c'est pour le débloquer. Sous bloqué dans 10 000, c'est pour le débloquer. Sous bloqué dans 20 000, c'est pour le débloquer. Sous bloqué dans 100 000. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Get me anointing oil. I want to pray in the name of Jesus Christ. Queremos rababa correbete de bosana maya. Raba correbete de bosha rabakaya nama. Rababa correbete de bosha rabakaya. Brother can't come. Inemoko soroboko sharaba. Roboko sherede de bosha rabaya. I feel there is a release in this place. There is a release in the spirit. Brother can't come. Brother can't come. Tout louange. Adoration. Oubo baba. Yerebo sarabako yerebo shanama. Come on that side. Step. Oh yeah, come over here. That's fine. Sister Katia, come. Brother can't come. Sister Katia, come. Riboko sherebo sana mama. Rababoko roboko serere. Sister Pat, come. Bubi, come. Bubi, come. Regardez, m'déclarer à soi. M'déclarer après-midi. Ça qu'a fait là, c'est pour fouil dans la vie. Ça qu'a fait là, c'est pour fouil. Ça qu'a fait là, c'est pour répercussion. Quand on chante dans la ou même qui la caillou, pas rater ça qu'a passé là. Pas rater ça qui a passé. Caméra, yo, pick up un peu ça qui a passé. Pour un peu, moun ki la ka, yo kapab vive. Ça qui a passé dans tabernacle de gloire l'après-midi là. Au nom de Jésus de Nazareth. Mettez-le dehors dans ce qui a passé là. In the name of Jesus Christ. Pray. Yeah. Oh yes. Pray on those envelopes. Pray. But they have been by you. Pray. Just. Not this and about. Put prayer. Either way. Karababa choroboko ye. Si tu as la bonne volonté, dit l'Éternel, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Mais faut vler. Hey! Ou même que la caillou continue les 786, 505, 580.
ou même qui la caille ou continue à cliquer sur le bouton cœur dans l'application Shekina. Et puis pendant l'onction ça passe, pendant l'onction ça passe, pendant l'onction ça passe, pendant l'onction ça passe, pendant l'onction ça passe. Si je t'ai semé, ça me semé, ça me planté, ça me planté devant mon Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cliquez sur l'application Shekina, cliquez dans le bouton cœur et présentez devant mon Dieu. Cliquez sur le bouton donner là et puis présentez devant mon Dieu. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Ou même qui la caillou 786 505 1580. Ou même qui sur YouTube, cliquez sur le lien par bas. Et puis présentez-le. Oh yes! 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 Ou même qui la caillou, relé kounia 786 505 1580, continuez à cliquer sur le bouton caillou. M'bral prier là tout à l'heure, m'bral faire des prières de guerre spirituelle là tout à l'heure. Au nom de Jésus de Nazareth, m'bral faire des prières de guerre spirituelle là tout à l'heure. Oh! Yes! Oh yes! Oh yes! Continuez à cliquer sur le bouton cœur. L'application Shekina, présentez-le devant mon Dieu. Continuez à aller sur YouTube, au bas de la page, et présentez-le devant mon Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ou continuez à cliquer sous bouton cœur dans l'application Shekina et puis présentez offrande à l'Éternel semaine en onction ça. Ou même qui devant télévision par YouTube, cliquez sur le lien qui part en bas et puis présentez à l'Éternel. Ou même qui sur Facebook, bouton bleu à présenter à l'Éternel. Oh yeah. 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 Yeah.
Levez mes mains. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah, par contre, ça qui a passé là après-midi. L'Éternel a deux conditions pour moun prospérer. Il dit, si tu as la bonne volonté et tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Première condition pour moun prospérer, il faut une bonne volonté pour prospérer. Ça m'a dit, elle semble un bagage qui bizarre. Même bon témoignage, pas. L'on habitué avec mentalité $300, c'est ça que l'on maillou. Ou pas même bonne volonté pour accepter ça, mon Dieu veut dire. Parce qu'on tellement habitué avec misère à longtemps. Bon pasteur, yon le pasteur a débrouillé. Yon a pasteur, bon Dieu béni. En Afrique, abondamment. Monsieur, yon 4 prédicateurs. Bon Dieu tellement béni l'église, monsieur. L'église, dans l'église là, 3 miles by 3 miles. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire où qu'a commencé marcher là et pour arriver sous 95 ou still dans l'église là toujours. 3 miles by 3 miles, 5 kilomètres par 5 kilomètres. L'homme une chita dans l'église là, faut dire dans qui rue ou chita, dans qui rue ou chita, dans qui numéro. Dans l'église a fait avec rue avec numéro. Le y a fait offrande ou bien y a fait appel au salut, son petit bus qui pour passer dans l'église pour mener monde devant. Parce que s'il y a tant de monde qui pour marcher vienne devant, la prendre monde n'importe 45 minutes une temps pour y arriver devant l'église, on bus obligé passer. Quatre pasteurs. Le monsieur fait veille de nuit, l'église il est vendredi soir. 4 millions monde dans veille de nuit. Et puis, je me suis dit, témoignage une fois, le bon Dieu a commencé à prospérer lui-même personnellement. Bon Dieu a prospéré l'église, mais lui-même a commencé à prospérer pour la première fois. Il dit, on leur a un monde qui vient la Cali, et puis un monde qui vient le Bali, une clé machine, une Mercedes, tout neuf. Mais je dis, moi-même, c'est qu'il lui dit, non, dans la ville côté me lever, personne ne va mettre souliers. Il dit, tout rêve, moi, dans la vie, c'est pour un jour pour me mettre soulier. Donc, monsieur dit, bon Dieu, fais où t'as elle. Monsieur vient faire doctorat en mathématiques, il vient professeur de l'université, bon Dieu, il est là, etc., etc. Mais mentalité de pauvreté a suivi monsieur toujours. Il dit, le ministère, et puis, quand il y a un monde qui paraît qui balance clé, tout neuf, Mercedes, il dit, ça me fait avec ça. Il dit, bon Dieu, dit, bon, bah, où? Quand il y a monsieur, dit, lui-même, il est tellement habitué avec, il est tellement, vous connaissez la mentalité, il dit, honte. Il dit qu'il quitte la machine dans le garage, et puis il met les clés en côté, et puis il continue à marcher. Il était bon vieux bogey, il continue à avoir les bogey. Pendant des mois, il wont conduit la machine. Et puis il dit une fois, il a prié, et puis l'Éternel paraît. L'Éternel dit la prière. Et pour qui sont qu'un bébé bénédiction petit? Il dit, je suis bénédiction petit tout. Comment je suis bénédiction petit tout? Il dit, machine, il n'y a pas de pas j'en moule. Monsieur dit comme ça. Il dit, tout le temps,
ou pas utiliser machine lui même ça me supposé faire pour qu'a fait. Donc avec mentalité pauvreté là lui même l'obéissant mais ou même ou tellement pas gain bonne volonté pour prospérer ou a bloquer bénédiction l'autre. Anyway, make a long story short, monsieur Sekounia dans l'église monsieur a quatre américains qui a prêché. Là yo fin prêcher. Après yo fin prêcher, monsieur dit chaque monsieur yo, li ba chaque monsieur enveloppe. Et puis il dit comme ça, nous juste besoin béni ou. Les monsieur yo entré, tous les quatre manqué pass out. Parce que chaque recevoir recevoir $1 million américain. Bon Dieu prend de 100 souliers. Pied à terre 100 souliers. Et puis qu'on y a quatre prédicateurs avec américains, non seul jour pour la bague, $4 million, et puis pour ça, pas branler le même. Non, ça l'a fait. Et c'est pour la première fois que je suis allé à la caille, monsieur, dans un message. Il te dit, pour moun prospérer dans la vie, il faut vler. Ou qu'a tellement habitué avec mentalité pauvreté, ou pas vler quitter. L'Éternel dit, si tu as la bonne volonté, et deuxièmement, l'aime dit ou yon bagay, ou fel. Ou va manger les meilleurs fruits du pays. Thank you so much, guys. Thank you. Fais prier ça, yo. Tout le monde levé campé sous pied. Ça, c'est un bagage spécial qui a passé là. Thank you. Be careful. Be careful. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. 3 Jean, nous allons faire prière sur 3 Jean 1, 2. On a fait 2-3 prières et puis on a terminé. On nous lit ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 2, lis encore. Perfection. Le fait, mais moi, les mecs qui prient, on va le faire. Dis, c'est pour grâce, bon Dieu. Dis le fort, oui, là. C'est pour grâce, bon Dieu. Autorité, bon Dieu. Puissance, bon Dieu. Manifesté. Dans tout département dans la vie. Au nom de Jésus. C'est pour grâce, mon Dieu. Puissance, mon Dieu. Autorité, mon Dieu. Manifesté dans tout département dans la vie, moi. Au nom de Jésus. C'est pour grâce, mon Dieu. Son Jean Bagayou, il dit, est-ce que le Père lui pas accordé à moun qui m'en dit? Ça veut dire, à travers la prière, onction, ça a relâché. Dit, c'est pour grâce, mon Dieu. Puissance, bon Dieu. Puissance, bon Dieu. Autorité, bon Dieu. Dieu. Manifestez. Manifeste. Tout département dans la vie. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, go! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes!
Oh yes. Au nom de Jésus. Nombre. Nombre 21 verset 4. Mettez la créole. Nombre 21 verset 4. Mettez la créole. Ça c'est le Israël qui est dans le désert. Le Israël qui est dans le désert. Le Israël, nombre 21 verset 4. Le Israël t'a marché dans le désert là. La Bible dit que ça il t'a marché dans le désert là, il t'a mangé la manne. Et puis gon côté yo rivé. Gon phénomène qui vient rivé. Les phénomènes ça arrivé kounya. Diable la vient joindre une ouverture dans la vie. Non. 21 verset 4. Ennemi en kounya vient joindre ouverture dans la vie que le pas joindre auparavant. On nous lit ensemble. Regardez qui ça le dit. Il dit moun Israël yo t'est parti. Yo kite mon ro la. Yo tal pran route ki mene bo la mer rouge la. Pour yo t'aller pas passer dans pays homme. Ça dit mais en temps y a voyager peuple la ki ça? Peuple la ki ça? Peuple la vin ki ça? Mais qu'on a regardé l'autre verset là. Et puis l'a dit peuple là a next li dit peuple là vin paye Moïse mal. Yo vin lever bon Dieu mal avec Moïse. Yo vin lever derrière do yo. Yo dit pour qui ça? Nous fait sortir dans pays l'Égypte là. Gen laisser mourir. Ou vin faire nous mourir. Hein? Dans désert ça côté pas gain de l'eau avec manger, nous bouquer vie manger ça. Hein? Qui pas rien et puis qui ça? Il dit c'est le ça Seigneur a voyé un bon petit serpent sous peuple là. Côté serpent yo commencé à morder. Ça yo a morder où? Et puis la boule tant coup du feu. La Bible dit comme ça, le peuple d'Israël commençait ils vont côté, il y a marché dans le désert, ils vont côté au découragé. Et puis la Bible dit là au découragé, gon paquet de serpents qui sorti tout côté. Archéologue yo fait nous connaît que dans désert côté sèche, côté chaud, toujours un serpent. Désert ça était toujours chargé serpent. Mais aussi longtemps que Israël t'a marché en bas obéissance, chaque temps Israël a avancé, tout serpent était là, tout serpent était là, tout levé courir. Parce que Israël a venu. Mais la Bible dit qu'ils vont côté, ils ont découragé. Ah, ça on go bah oui, parce que nous allons faire prier là contre découragement. Quelque grâce ou perdu dans bon Dieu, c'est découragement qui fait ça. Et nous envoyons découragement. La Bible dit qu'ils vont côté, ils ont découragé. Et puis tout petit serpent qui a couru pour eux, car c'était tourné, tourné. Et puis qu'on y a vu attaquer le peuple là. Cela veut dire, conseil de serpent qui a accès dans la vie ou l'ont découragé. Conseil de vieille force diabolique, les puissances diaboliques qui a accès dans la vie ou l'ont découragé. Des esprits de pauvreté qui viennent accès à la vie ou l'ont découragé. Ou t'es presque arrivé. Et puis un découragement, faut give up. Levez-moi d'attendre, l'on va le faire prier. On va le faire prier. Nous avons fait prier ça, tout nerveux. Tout nerveux. Tout mauvais. Tout mauvais. Dis depuis ces forces découragement qui entrent sous moi. Dis depuis ces forces découragement qui entrent sous moi. Et puis pendant ma répéter ça, je vais regarder passer dans qui domaine dans la vie ou découragé. Qui business, qui projet l'éternel va ou découragé. Qui ça le dit le faire dans la vie ou découragé. Qui ça va entreprendre et puis tant qu'on va entreprendre, nous prend blocus, nous prend blocus, nous prend blocus et pour décourager, on give up et pourtant mon Dieu va aller. Est-ce que l'église s'en est ça m'a dit? Ah! Il y a quelques fois, bon Dieu a fini son bagage même oui. Et puis là, qui ton petit temps passé, et puis quand vous avez refus, vous prenez. Oui? Et puis c'est testé, la testé au boulot, sous là, oui. Là, est-ce qu'on a plus la foi dans le lit que dans le refus? Est-ce qu'on a quitté la, est-ce qu'on a quitté parole, les derniers mots, ou bien est-ce qu'on va quitter échec ou prendre les derniers mots? Malgré le fin parler,
Et puis pour prendre échec, et puis pour bail échec la dernier mot. Ça veut dire sous give up après échec là, ça veut dire c'est dans échec là quoi. Mais si l'Éternel parle mal, fait le prendre échec, il pas marcher, eh bien l'heure pour arriver, temps pour arriver, on repartit encore. Occasion n'a pas arrivé, que doit c'est pas porte moyen ça, on repartit encore, on pas décourager parce que l'Éternel te dit t'a fait. Mbadou là l'Éternel te fait dire comme ça, l'Éternel finit par la même bagaille, $1 million sur le trusty for $1 million. Nous sommes premier Sunday nous fin fait. L'un fin fait, nous recevons $250,000. Qui déjà yon bagaille extraordinaire parce que songe peut-être comme ça. Puis gros l'argent te ka quoi l'Éternel pour lui n'entend ça, c'était 100,000. Parce que pour moi, ça fait 100 000 là. C'est parce que je connais. L'homme qui dit 100 000 là, c'est bye bye l'Éternel. On va me connaître pas qu'à faire. Vous ne pouvez pas comment ça m'a dit là. L'homme dit 100 000 là, c'est son défi bye l'Éternel. C'est ça que je me sens. Je vais mettre le roi pour l'Éternel. Je me sens l'Éternel n'est pas qu'à arriver là. Oui? Donc ça veut dire, c'est plus haut. Ça veut dire, depuis l'année passée, premier tour, 250 000. Moi, je connais les gens qui ont cherché moi pour le critiquer. Ils ont toujours cherché moi pour le critiquer. Ah, les gens qui ont commencé à dire Mbadou, bon Dieu, pas de palavel, bon Dieu, pas de deal, ça va. Si bon Dieu, t'es arrivé, si bon Dieu, t'es arrivé. Et puis, les gens parlent. Mais quel que soit, je dis quoi ça? Eh bien, s'il faut arriver, ça veut dire moment pour arriver, temps pour arriver. Mais quel que soit, ça va. Gloire à Dieu pour 250 000 là, même pas satisfait, même pas prêté là, même pas capé. Les gens qui ont critiqué, même songer ça à l'Éternel. N'a pas recommencé encore. Fais prier ça. Dis toute force découragement. Qu'entrer sous moi. Réfléchis à qui domaine on va parler. Faut parler un domaine spécifique. Pas faire prier dans vague. Pas faire prier dans vague. Peut-être c'est l'école où tu as bralé ou papa son classe. Et pour quitter classe. Ou quitter à faire l'école là. Je me dis spécifique. Oui là. Je dis peut-être son caille ou t'abras l'acheter et puis pour y approuver là, yo bali il pas bien tombé pour qui va. Je dis spécifique, oui là. Je dis spécifique là. Qu'on a qui domaine, on va voir ça. Dis toute force découragement qui entre sous moi. Toute force découragement qui entre sous moi. Toute force découragement. Qui entre sous moi. Quatre dîles pour contour. Cinq par la force là. Six par là avec force là. Sept dîles avec toute force où. Kounyam d'ailleurs m'ont dit ça avec 10,000 dans le fond. Sortez sous moi. 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 Sortez. Sorti, Sorti sous moi. Longez-moi dans la direction ça. Comme mon bon Dieu va à peine en délivrance là. La peine délivre mon là. Longez-moi. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Moi, longer même dans la direction offrande, ça arrive par la foi. Seigneur, je reconnais le mouvement Saint-Esprit dans l'offrande. Je reconnais la présence Saint-Esprit. Je reconnais l'onction Saint-Esprit. Pendant que nous longer même dans la direction, Seigneur, grand pile monde qui vient là, son geste de foi, honoré foi, ballon témoignage. Un témoignage. Seigneur, premier dire, c'est pas témoignage normal, non m'a demandé. C'est pas témoignage normal, non? M'vlez, Seigneur, bah un témoignage hors du commun. Bah un témoignage hors du commun. Bah un témoignage qui est tellement grand, les a raconté bagala, faut moun gè problème pour yo koué. Bah un témoignage faut moun.
Dans l'Éternel qui a dit quoi, ça gon moun la témoignage balbaoua. Témoignage balbaoua. Il n'est pas micro seulement, non, il faut prendre. Ou bal écrit livre. C'est pour le bon témoignage qui m'a dit livre. C'est pour le bon témoignage qui m'a dit interview dans la radio à toute télévision. Pour le monde dit comment on passe. Témoignage hors du commun. Hors du commun. Hors du commun. Témoignage qui sorti de l'ordinaire. Thank you, Lord. Témoignage hors du commun. Témoignage qui sorti de l'ordinaire. Témoignage que moun pa ka comprendre. Témoignage que moun pa ka expliquer. C'est pour tout le monde qui dit comment ti haïtien tête graine fait arriver là. Et puis pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pour dire c'est pas haïtien tête graine qui parle anglais avec accent, qui pas un bon grammaire, pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Koto yin la kayou même bagaille. C'est pour grâce, mon Dieu, suivre vos bénédictions, suivre. C'est pour bénédiction, mon Dieu, suivre. C'est pour prospérité, mon Dieu, suivre. Au nom de Jésus de Nazareth.